Match parfait. Putain, le Kishni, il est refait. En plus, le clou du spectacle, Mbappé qui marque. Je l'attendais celui-là, je voulais qu'il marque. Et putain, et il a failli en mettre un deuxième quand il a accéléré à la fin. Deux buts de Lemar, dont une passe de Griezmann, un but magnifique de Lemar, et puis le but de Griezmann. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Scénario parfait pour moi. Scénario d'autant plus parfait que, bon, on avait été ébranlé un petit peu par les Suédois. Mais les Suédois ont perdu ce soir contre les Biélorusses, je crois. Ou la Bulgarie, je sais même plus. Donc, encore une fois, un scénario parfait. Les Pays-Bas qui retombent au quatrième, je crois, au classement. C'est un truc de malade. Enfin bref. Je suis super heureux, je ne sais pas quoi dire d'autre. J'allais dire, ah, oh, mais c'est bizarre, on a très peu vu Umtiti, tout ça, mais c'est normal, on n'était que 11 sur le terrain. Non, mais c'est vrai. Alors, si, quand même, on a quand même vu beaucoup Koscielny, et c'est vrai qu'Umtiti, alors c'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup sollicité, mais les seules fois où il a été sollicité, il a quand même fait deux ou trois fautes en s'appuyant sur un joueur, ce qui est pas génial. Et oh putain, qu'est-ce que je pourrais trouver de mauvais? Coman, au début, c'était plutôt mauvais parce qu'il était un petit peu la sentinelle externe, un peu extérieure, qui jouait tout seul, quoi, qui se créait des occasions tout seul. Alors, je trouve ça très bien de le laisser dans son couloir tout seul. Justement, il se débrouille très bien, il court très bien. Mais il y avait beaucoup de déchets au début. Il s'est pas mal rattrapé à la fin. Il a failli en mettre un super beau d'ailleurs. Mais il faut se mettre à sa place aussi. Il faut se mettre à la place de ces joueurs-là qui ont une chance parmi je ne sais pas combien et ils sont obligés d'essayer de sortir le grand jeu pour nous étonner et pour trouver leur place face au sélectionneur. C'est obligé. Et pareil pour Mbappé, il a que 20 minutes de jeu, et même que 15 minutes je crois. Et il a réussi à en mettre un et à donner des bonnes balles. Certes, il en a perdu peut-être une, mais ça reste un humain. Bon, il a fait son petit match. Et Lemar, bah, bien évidemment, il a fait plus que son match. Pogba, un peu ralentisseur, mais toujours bon, toujours. Bon, il était là où il fallait. Kanté, mais ce Warrior de fou, Warrior de malade. Bon, je dois peut-être en oublier. Si, ah putain, je vais pas me souvenir de son nom. Bon, celui qui était sur le côté, de l'autre côté de Sidi B, Kurzawa. Franchement, je trouve bien dans ce côté-là, il se démerde bien. Franchement, c'est pas évident quand t'as autant de joueurs autour de toi. Il arrive à se défaire, il arrive à. Non, franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Je crois qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas trop. Ou alors c'est Sidi B que les gens aiment pas. C'est vrai que Sidi B, bon, voilà, il est là, mais c'est tout. Il est là. Oh putain, qui c'est que j'oublie? Franchement, j'en sais rien. Je suis désolé si j'en oublie. Mais bah Giroud, bon. Il a fait ce qu'il fallait, mais bon, on l'a pas trop vu, c'est vrai. Mais bon, voilà, résumé, très bon match. On en a eu pour nos yeux, alors ça, c'est clair. Et puis, bah, rendez-vous contre le Luxembourg dimanche. Allez, je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous.